C'était une rencontre essentiellement bilatérale Suisse-Italie. Je me suis fixé comme objectif d'avoir des contacts avec mes collègues de l'économie, de la formation, de la recherche aussi, de l'agriculture, avec tous les pays autour de nous, et nous évoquons tous les sujets. Ma visite aujourd'hui à Rome était agendée depuis longtemps. C'était l'occasion de prendre contact avec des nouveaux ministres, le ministre du Développement économique et puis la ministre du Travail et des Assurances sociales. Nous avons fait un tour d'horizon des différents secteurs. Nous avons pu constater que nous avons des très très bonnes relations. Avec le ministre de l'économie, nous avons décidé de voir les points où on peut encore améliorer les échanges et les investissements. Il y a quelques petits problèmes que nous devons régler. Ça se réglera au niveau des techniciens en particulier. Alors la Suisse a un rôle extrêmement important au sein de la FAO, depuis 1946 d'ailleurs. Elle finance, c'est un des très gros contributeurs de la FAO. Ce qui m'intéresse en tant que ministre aussi de l'agriculture, c'est l'Office fédéral de l'agriculture qui est en pointe sur ces secteurs. Et je vais avoir un premier contact avec le nouveau directeur de la FAO, que j'ai rencontré mais de manière fortuite à la Grünewoche à Berlin au début de l'année, quand il était encore ministre de l'Agriculture de la Chine. Et nous allons échanger ce qui est intéressant pour nous. Et je pense que la FAO est une organisation sous-estimée qui va devoir jouer un rôle extrêmement important avec l'arrivée de nouveaux ravageurs, avec la problématique climatique.